Mathieu Abrivard, la dernière course de Goldie Mairie est encourageante. Ouais, elle courait bien, elle manquait d'une vraie course et en plus j'ai pas eu le parcours adéquat hein, et j'ai fait quand même pas mal d'efforts pendant le parcours. Malgré tout, elle a gardé une bonne troisième place. Donc encourageante. Maintenant, le programme pas grand chose comme course. Obligé de s'affronter aux bons européens sur la courte distance. Donc voilà. Elle a déjà des références sur le parcours. Maintenant, voilà, à ce niveau-là, en seconde ligne, vu l'opposition, on a plus une chance secondaire. Donc, on va faire petit bras, espérer que ce soit une vraie course rythmée, et puis garder une bonne poire pour la soif, et elle peut prendre une petite place en fin de combinaison. Oui, parce que ses meilleures performances sont souvent réalisées face aux femelles, uniquement. Là, il y a les garçons. Ben ouais. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'il y a des fois, quand c'est des courses rythmées, c'est ce qui lui plaît le mieux. Maintenant, voilà quoi, là c'est l'élite, hein, donc ça va pas être facile, mais bon, voilà, on n'a pas le choix, on va tenter notre chance, on va courir sans trop de prétention, tranquille, et puis venir finir. Mais fin de combinaison, c'est jouable quand même, ma jument est en forme, donc par rapport à certains, ça peut passer si je minimise l'effort.